Hello les Coltous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte de Pâques façon moodboard. Alors, je vous ai passé des étapes parce que j'ai les mains infernales. J'ai fait en petite aquarelle des petits trucs de Pâques, notamment un petit lapin. Je crois que c'est pas droit mon téléphone. Bougez pas. J'ai fait un petit lapin, alors j'ai fait avec aquarelle tout simple, rien de spécial. Je vais après une petite oie, un petit pierre lapin. J'adorais ce film, j'adore. Un petit oiseau, bon j'ai mal coupé là, mais c'est pas bien grave. Une petite étiquette, et là j'adore ce tampon. Une hirondelle a fait le printemps, mais ça va pas l'étiquette. En fait, je crois que c'est un tampon qu'il faut tamponner directement. Et bah je vais essayer de faire une carte avec ça. J'ai pas de base de carte. C'est quoi ça? Non, c'est des enveloppes. Et des bases de cartes, j'ai pas blanc. Non, j'ai que des. Ah, il y a peut-être celle-là, je vais voir. J'ai ça, mais je trouve que ça va être trop petit pour faire façon moodboard. Je pense pas pouvoir tout mettre. Je regarde vite fait, hein. En gros, quoi. Un grand là, un grand là, un petit là. Oh, si, peut-être. Si, si. Regardez. Ça peut passer. Ça peut passer. Ou alors. Je sais pas. Non, c'était peut-être bien comme j'avais mis. Ah ouais. On peut faire en sorte que ça se chevauche, hein, c'est pas grave. Bon, je vais donc c'est une base de cartes 15-15. Je vais essayer de me nettoyer les mains, mais parce que le problème c'est que ça, quand on tripote ça là, les papiers, ça étale l'encre. Alors j'ai pris ça pour peindre, hein, c'est là où. Pour moi, c'est pas de l'aquarelle, hein. Je pense que c'est de la gouache. Ils mettent aquarelle ou ils mettent rien d'ailleurs. Mais c'est voilà, c'est juste pour faire ça rapide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais chercher des papiers. Alors, j'ai pas tellement de papier vraiment pack, quoi. Donc, je sais pas. Et si je mettais ce petit bloc-là? Parce que l'autre fois, j'ai fait le moodboard avec ça, mais je vais pas faire à chaque fois les mêmes papiers. Ça n'a pas trop d'intérêt, donc je pense que je vais prendre un mauve. Faut que ça fasse quand même parce que oh, un vert. Donc il est violet, on le verra. Derrière celui-là, il est plus pâle. Qu'est-ce que je tiens alors? Oh là là là. Je vous ai passé une série d'éternuements horribles. Celui-là, il est mignon aussi. Oh, celui-là, c'est trop mignon, ça. Des petits pois, ça c'est clair, c'était joli aussi. Hein. Toujours sers pas de ces trucs. Tiens, il y avait le vert comme ça. C'était peut-être mieux celui-là. Bon, on s'en fout. Alors, je vais déjà prendre le petit massicot. Qu'est-ce qu'il y a comme chose? Je vous explique même pas. C'est horrible. Alors, je vais déjà en faire un là-dessus. Crayon. Attendez, bougez pas. Hein. Je vais en couper un. On va mettre celui-là là-haut, je trouve. Alors, il y a écrit ciel bleu, respirer, sortir, balade dans la nature, herbe verte, printemps. Tout un programme. Là et là. Savez, moi, le scrap, je suis pas dans les mesures, je fais au feeling. Alors, c'est pas dit que des fois ça peut être raté, c'est sûr. Hein. Bon, en général, non, mais bon. Le strap, ça va pas, ça se réajuste. Vous voyez ce que je veux dire?
Je vais ancrer, bah, bon. Non, je ne vais pas ancrer. Parce que dès qu'on fait ancrer, enfin, souvent, quand c'est ancré en marron, là, on rentre direct dans le style vintage. Je regarde déjà si ma carte, elle s'ouvre au bon endroit. Donc, je laisse toujours un petit passage. Excusez-moi. Voilà. Après, je viendrai mettre celle-ci. Mon lapinou, je vais le mettre là. Ah oui, c'est juste haut ça. Ah ouais. Donc on va le mettre là. Lui là. Peut-être que je peux pas tout mettre. Hein. Non, je pourrais pas tout mettre. Donc je vais mettre ça là. Ça c'est sûr. Donc mon petit lapin peut-être sur le fond vert. Donc, je mets ça par exemple là. Attendez, hein. Il faut toujours qu'il y ait une petite marge entre chaque truc. Là. Là. Hop. Là. Il coupe mal ce truc là, ce massicot. J'en ai un autre, hein. J'ai le même. L'avais acheté en deux fois, je crois. Mais en vrai, il est pas terrible. Hein. Il fait des pluches, quoi. Là. Ouais, il est un peu petit. Un peu petit. Ne bougez pas. Un peu petit, donc c'est pas grave. Lui, je vais le raboter un peu. Coupe droit, c'est lui. Hein. Oh là là là, je vais le raboter un peu là. Ça m'énerve. Hein. Coupe pas bien bien là. Oh là là. Voilà, on va faire comme ça. Donc on ajuste hein, par rapport à au carré d'à côté, enfin le centre, ou le. Oui, ça c'est à vous de voir ça. Voilà, lui il ira là. Lui, ça c'est pour mettre mon truc printemps. Non mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Je vais y arriver, on va y arriver. Soit lui va là, soit lui va là. Alors. En faire un autre qui va de là à là pour mettre mon petit oiseau. Là. Et là. Et hop, je te compte. Je te compte, je te compte. J'aurais préféré casser avec une autre couleur. Mais bon. Voilà. J'ai déjà collé celui-là. Voilà, ça vous fait une petite carte de Pâques. Façon moodboard. C'est mignon, ça change. Ça change. Là, je vais mettre bah, plutôt du vert. Alors, est-ce que lui, il va y aller?
Ah ouais, c'est ça le problème. On va le mettre dans son sort, c'est pas grave. Ou alors il y a le verre uni là. Il est un peu grand mon truc, hein. Il est trop grand en fait. Bon, je collais celui-là déjà. Attendez, faites voir. De toute façon, dans tous les cas. Alors. C'est trop mignon. Il va pas terrible. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si j'avais de l'encre verte. Oh, non, c'est pas vert, c'est jaune mélangé. Là, j'ai de la verte là. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça au tamponnage comme ça. Je mets de l'encre verte. Vous voyez, en scrap, il y a toujours des solutions. Hein. Toujours. Et je pense que lui, j'aurais pu mettre un peu plus vert d'ailleurs. Je vais le mettre en 3D, le petit lapin là. D'ailleurs, je vais l'ancrer en vert. Est-ce que ça fait? Ça fait ça. Je vais le mettre en 3D. Hop. Alors. Je vais même en mettre un bout au milieu pour qu'il soit plus épais. Alors attendez, bougez pas et comme ça on va le mettre par là. J'étais en train de réfléchir pour mettre Joyeux Spike. Sinon je mets pas Joyeux Spike. Voilà, hop, on le met et c'est bon. Et peut-être que je vais verdir le tour de la carte. Oh bah dis donc, et c'est bon. Non, c'est pas bon, ça colle pas. Bah tiens, regarde, je vais lui mettre du pistolet chaud et au moins qu'il va coller. Voilà. Là, il va coller. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait des fils. Des fils de colle. Des fils de colle. Je sais pas si je mets du vert ou pas autour. Non, ça c'est du jaune. Qu'est-ce qu'elle fait? La pauvre Bonnie. Bonnie, c'est plus la même, hein, franchement. Elle ne bouge plus beaucoup. Hein. Enfin, elle bouge, mais non, c'est pas comme avant, quoi. Elle dort tout le temps, tout le temps. Voilà, je voulais mettre mon hirondelle à fête printemps, mais franchement, je ne vois pas où le mettre. Puis Joyeuse Pâques. Vous savez quoi? Bon, je vais vous le dire, je mettrai Joyeuse Pâques à l'intérieur. Puis c'est tout. Lui il colle pas bien, pourquoi? Je vais me laver les mains. Voilà, voilà ce que ça fait ma petite carte pack printemps avec de l'aquarelle, des découpes et façon moodboard quoi. Je vous fais à tous de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner si c'est pas fait. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une future vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Sound with its thrill of joy profound. Wow.
we listened and chanted there to the music in the air. Hectic sound with its thrill of joy profound. While we listened and chanted there to the music in the air.